Oh la dinguerie. Bon, cette semaine on est à Avoria. On a notre pote Vlado qui fait des plans en FPV, qui nous a proposé de participer à ces tournages. Du coup on est là pour une semaine dans la neige. La neige c'est pas trop notre environnement naturel, mais je pense que ça va être marrant de faire des gros sauts, tout ça. Ça va nous sortir un petit peu de notre zone de confort et je pense qu'on va bien s'amuser. Bon bah du coup voilà le terrain de jeu. Ça va être trop stylé, on va trouver plein de trucs. Bon là on a eu une petite idée juste en sortant de l'appart. On a vu qu'il avait neigé de ouf cette nuit. Et du coup on s'est dit qu'on pourrait sauter du balcon ici jusque là. L'idée ce serait peut-être de lancer quelques accros, genre double layout, full in back. On va voir si ça va le faire. Là on est en train de faire un bon gros tas, histoire que l'atterrissage soit bien mou. Mais vu comment il a neigé cette nuit, ça va être parfait je pense. Alors là ça commence à ressembler à quelque chose là. On a toujours rêvé de faire un saut comme ça dans un balcon. Et il a neigé il y a un mois en Bretagne, mais c'était un peu ridicule. Alors que là, ça va être génial. Hein ? Tu vas le faire ? Oh putain, oh, je savais pas que t'étais là. Tu m'as dit ça va là. Ça va, c'est pas trop froid là avec tes chaussons. Non, ça va. Attention ! Bon, du coup, là ça part, double layout. On a nettoyé un peu la rambarde pour partir et on va mettre une petite serviette pour faire en sorte qu'elle accroche bien. Ouais, c'est bon, ça le fait avec ça. 3, 2, 1. Oui! Il est tellement trop vu, j'ai de la neige partout. Oh. Là lui c'est un petit setup pour un Sten Gainer. Allez gros. Yeah. Moi du coup je vais tester full in. Enfin je vais tester, je vais envoyer full in c'est sûr. Oui! Quoi? La dinguerie! Oh, c'est trop bien! Je peux plus me lever! Je suis vraiment bloqué! On va essayer de faire un plan FPV dans l'appart. Genre, Vlad, il va venir du bloc là-bas. Et hop, il va traverser tout l'appart, sortir là. Et moi, je vais le suivre. Et je vais, hop, je vais drop du balcon juste devant lui. Let's go. Donne-moi la télé. Alors que non, Vico, il doit tenir le hublot. Mais tous les rôles sont pas parfaits. Là, la nouveauté, c'est que le drone il est tellement petit que la GoPro complète. C'est genre trop lourd. Du coup, Vlado, il a complètement démonté sa GoPro. Pour remettre genre juste les circuits imprimés. Hop. Je vais dans ma cachette. C'est un peu le monde de Narnia ici. À part. Bon ça y est, je crois qu'on a le plan, on a réussi à se coordonner avec tout le monde là, c'est trop stylé. Bon bah let's go, on enchaîne. On a repéré un autre spot où il y a une grande cage d'escalier qui monte. Mais ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment pas mal de neige. Ouah, ça peut pas fort là. Let's go, là on va checker le départ du saut, on va voir si ça peut se faire. Ça serait trop bien en vrai. Oh ouais. Bah en vrai c'est quand même haut. Je sais pas trop quoi en penser là. Y'a quoi? 7 mètres. Ouais là ça tombe du cliff là. C'est fou celui-là. Bah moi j'ai vais dire direct. Celui-là là? Ouais.
On dit quoi? Ouais, ça part. Okay. Allez. 3, 2, 1. Oh la dinguerie! Ça part de plus loin! Y'a rien? Non! Mais si, mais moi j'ai rien senti! Mais mec, t'étais à combien de mètres là? 8 mètres, 9 mètres! Je sais même pas, tiens! C'est énorme! Matt, il vient de faire le saut et au final, ça passe crème. Du coup, il est en train de se poser la question s'il va faire le saut au max quoi. Vraiment, c'est hyper haut. 1, 2, 3, 4. 4 étages. Étages. Ouais. Du coup, on refait un tas et ça repart. Oh, ils font ça tellement bien! Ouais, il y a peut-être 10-11 mètres en vrai, ça peut le faire. Et là, de toute façon, on peut pas aller plus haut, c'est le dernier étage. Let's go. 3, 2, 1, go. Wow. Oh la dinguerie. C'est trop stylé. Mais par contre, je te voyais même plus à la fin. Oh, oh mec. C'est Photoshop mec. Oh mec. Ce gars qui pop. On va essayer d'installer un petit rope swing, un peu mieux que celui qu'on vient d'installer parce qu'il était pas ouf. Non, ça marche pas. L'idée, c'est de partir de ce télésiège ici, d'accrocher la corde ici et d'atterrir quasiment où il y a flot. Ça, ça tient, ça tombera jamais. Yes. Bon, on est quand même en train d'installer un rope swing sur un télésiège. Et là, il y a des pisteurs qui sont arrivés, du coup, on essaie de pas faire trop de bruit pour pas se faire niquer. Quoi? Yes. Ok, 3. Go. Mais oui. Ok. Prenez tout de suite cette corde là. Ouais. Vas-y. Vas-y. Arrêtez vos bêtises s'il vous plaît. Là vous êtes sur des sur une montée mécanique. C'est privé quoi. Ok, désolé, on s'en va. Bon, hier on s'est fait virer de notre spot de rope swing. On va réessayer d'en installer un ici. Avec le télésiège, pareil. C'est dans une grosse descente de neige. Par contre, pour y aller, il va falloir faire un gros gibon en montant. Il y a Louis qui est en train de faire le singe là-haut. Ça a l'air d'être ultra fatigant. Je crois que je vais pas y arriver. Oh non. Oh non, putain. Oh non, tu lâches Léo. Ouais, vas-y, lâche. Oh merde. T'es sérieux? C'est trop dur. C'est trop dur hein. Avec lui c'était trop chaud là pour monter. Ouais. Entre les gants, le froid, le gros câble et tout. Ah putain, faut que je me repose les bras. Ouais, moi aussi en vrai j'ai tétanisé. Hein. Ouais. Non, du coup là avec lui en montant c'était un peu chaud. Ça tirait tellement sur les bras, du coup là on va le faire en descendant. Normalement ça devrait passer mais on va voir ça. Bon après c'est de la neige mais c'est quand même un peu flippant parce que je pense qu'on est à genre 10-12 mètres de haut. Du coup ça donne pas trop envie de tomber quand même. Voilà. Yes, ça l'a fait. On vient de tout là-haut là. Yes. Mais en vrai, je vais refaire tout.
Yes. Bon, là c'est le dernier jour et avec Léo on a envie de lancer des petits tricks du balcon encore. Moi je vais envoyer triple back. Et moi je pense que je vais faire double gainer. Du coup un petit stress, mais vu le tas de neige qu'il y a, je pense que ça va être crème. Ouais, ça va être une dinguerie. Let's go. Vas-y, bah go, filme bien. Ok. Ok. Allez, on va filmer. Ça réglisse un peu par endroit des fois. Ok. Oh là là, c'est une dinguerie là, du coup je viens de faire triple back. La sensation elle est ouf en vrai. Genre je comprenais rien, ça tournait tellement vite. Du coup là oui, il va se coller au double gainer maintenant. En vrai je le sens plutôt bien, après avoir vu Léo faire un triple back là, franchement c'est bon. Ça, ouais en vrai, t'inquiète, le tas il est genre vraiment parfait. 3, 2, 1, allez go. Yes. Oui. Oh yes. Yes. Oh yes. Yes. Oh t'es trop chaud. Ah bah ouais, je m'attendais pas à ça. Vas-y, bonne vacances les gars. Bonne vacances. C'est énorme. Aujourd'hui on a repéré un saut du haut d'un toit. On va essayer de voir si c'est faisable. Parce que ça fait 4 étages. Donc il va falloir faire un bon gros tas de neige en bas pour arriver safe. Let's go. Vous voulez... Enfin, est-ce que vous voulez faire le saut avant nous pour voir si... Non, ça va, aller, non ça va, merci. Moi, je vais juste le voir. Ok. Bah, le temps que je m'échauffe, je vous laisse passer devant. Pierre, feu, ciseaux, au pire, celui qui perd le fait, non, non, moi, ça va. Bon. Et tu vas vraiment le faire? Ouais, je pense que je vais m'y coller, ouais, si on fait un... En luge, tu sautes comment? Non, non, À pied, ouais. On fait du parcours, nous, on est une team. D'accord, de parcours. Ben ouais, bah on va faire un tas et ça va partir. Ouais. Ça y est, c'est parti. Dernier saut de la semaine. Je pense que... Ça va être stylé. Allez, j'ouvre le bal, ça part. Ouais. Let's go. Bon, pendant que les gars font le tas, avant que je saute à mon tour, j'en profite pour vous parler de nos pulls des horizons. C'est la collection qu'on a sortie avec une de nos dernières vidéos où on monte sur le toit des horizons. Vous pouvez le commander sur notre site. Allez Louis, tu le grailles. Ah, mec, je vais trop bien. Oh, il est trop bien. Yes.